So will boys, oh heave long and strong. Ohé, Bonnette! T'as enfin ton propre pavillon! Oui! Oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas! Je vais devoir me débrouiller tout seul! Eh ben, c'est formidable! Oui, c'est pour le mieux, je pense! J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons! Edward? Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié! Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum, je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année! Merci, mon ami! Et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire! On ne vous aime pas au pays? Êtes-vous oublié de vos femmes, de vos familles et de vos compatriotes? Alors comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos vies? Des otages contre des remèdes! C'était ma seule demande! Et j'attends... six jours de ce foutu silence de mort. Je crois comprendre. Vous devez être les parias de Charlestown, et je ferai encore mieux de me servir de vos viscères comme appât et de faire de la colle de vos sangs! Par le Christ! C'est bien mon problème. Ou je vous tue, ou je vous plie à mon service. Une décision que je ne suis pas pressé de prendre, mais je n'aurai aucun remords. Ahoy, Edward. À quoi est-ce que tu joues, bon sang? Toute la ville peut voir cette farce. C'est l'intention. Hors de portée, mais bien visible. Alors, les remèdes sont où? On a envoyé un groupe à terre négocier avec le gouverneur. Ça fait une semaine. Depuis, pas un mot. Je m'en charge. Donne-moi une journée. Il y a du mouvement là-bas. Ce sont des soldats? Ouais, ils ont l'air bien pressés. On ferait mieux de les suivre. Au cas où ils nous prépareraient une surprise. Qu'est-ce que t'en penses? Barbe Noire est déjà là depuis 8 jours. Je suis prêt à parier que quelqu'un préparait les remèdes. Au cas où. Ah, il traîne les pieds. Il cherche un moyen pour pas payer. Oui. Trouvons l'endroit où il les garde. Et on aura notre chance. Attention, capitaine. On dérive vers une tour de guet. Jackdaw n'a rien à faire. Serre toute la toile. Voilà une autre tour de guet. Donne un peu de toile. Je vais donner les bonnettes. On réduit la toile. Carguez jusqu'à la grand voile. Vous profitez. Et voilà Mima, capitaine. Faut pas prendre de vitesse. Attention aux rives. On pourra pas passer sans se faire repérer. Et je vois pas d'autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. Arrêtez tout!
Roper, raise the alarm! We're losing him! Je les vois, là-bas. Espérons que le fleuve reste aussi large. Ce navire est taillé pour la mer, pas pour s'y tuer. Si on s'échoue, on sera fait comme des rats. Faut pas qu'ils voient qu'on les suit. Faut profiter de ce vent. 10 minutes, Harris, 10 minutes. Maintiens le cap, capitaine. Je vais donner les bonnettes. On doit prendre au moins de temps. Donne un peu de toile. Serre toute la toile. Faisons voile. Carguez tout. Fais déferler la grand-voile. Carguez jusqu'à la grand-voile. Donne un peu de toile. Plus de toile, déferle tout. Il s'éloigne, capitaine. Je vais devoir continuer seul. Je reviendrai. Avec les remèdes. Aye, sir. Back here, you coward!
still. Hold you. Where did you think you were going? Tout est prêt. Tant mieux. Le capitaine Wyatt n'aime pas attendre. Hey! C'est toi, Ryder! Alors, Benny, c'est attendu! Et tu sais que... Il l'a attrapé! Il l'a attrapé! Je l'avais bien dit! Ram, nom de Dieu! Allez, allez! Ram! Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose, non? Oh mon Dieu! Faut pas traîner ici! Première classe, Simon. Un crocodile, sir. Je n'ai que faire de vos accidents. Quelles sont les nouvelles du port, soldat? J'écoute. Rien de neuf, sir. Ils sont toujours là. Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien, ils n'ont encore touché à aucun prisonnier. Le moment est peut-être venu de... Peut-être venu de se rendre? On m'a confié la charge de la ville et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate. Quelle que soit sa réputation. Oui, sir. Tiendrez les clés du magasin, personne ne touchera à ces remèdes. Que la peste et la calamité les emportent. Pauvre abruti. Qui es-tu? Les pirates! Je vois leur navire! Les pirates! Repliez-vous au manoir! You don't fall now. He's over there! Ces démons! Ah! Barbe Noire, t'as fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçue d'un pirate. Tu peux maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il est de retour, Capitaine! Alors, Edward? Deux caisses. Quoi préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, monsieur Rags? Mon jeune ami qui revient chargé de présents vient de sauver votre cou décharné. N'a-t-il pas droit à votre gratitude? On devrait quitter ces Osatch. Le gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au Nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein? Tu nous abandonnes? Et Nassau? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde... ou chez Neptune.
je dois aller en haut. Je crois qu'Olivier veut qu'on prépare une bande-annonce à partir des images que tu as enregistrées ces dernières semaines. Prends ton temps, je te retrouve à l'ascenseur. J'ai été vérifié trois fois entre le parking c'était et mon bureau. C'était pour ça. Par ici. Tout est prêt, il aime pas attendre. Je viens de regarder quelques-unes de tes séquences. C'est incroyable. Barbe Noire était vraiment taré. On a tous trouvé ça si accrocheur qu'on s'est imaginé une bande-annonce centrée sur lui. Il est en train de boire du rhum, de parler avec des pirates, de raconter une histoire. Ensuite, on enchaîne sur un plan où il bondit sur son bateau et... sur son navire, pas bateau. Bref, il s'active dans tous les sens. Il saute, il se bat comme un vrai démon. Ouais, bon, il faudra modifier un peu les images d'origine pour que ça rende bien, mais ça pourrait être génial. Par la barbe de Neptune, j'ai hâte de la voir. Désolée. Bonjour, tout va bien? On est en retard? Non, vous pouvez en... Salut Mélanie, je t'ai vu arriver à l'instant. Je dois te voir quelques minutes toute seule. J'ai Laetitia au téléphone, on discute du projet Kenway. Ah, ouais, bien sûr. Je suis vraiment désolée, je te contacte dès qu'on est prêt. Ça ne sera pas long. Salut! Allô? Dis, t'as une seconde? Bien sûr que oui. Va jusqu'au repère indiqué sur ta carte, j'ai un autre service à te demander. J'aimerais relier toutes les caméras du bâtiment à un système de surveillance centralisé, mais la plupart sont mal calibrées. Encore une porte verrouillée? Aucun souci. Voilà, tu as maintenant l'habilitation niveau 2. Pas mal pour ton propre... Je mets à jour ton communicateur. Voilà une mesure de sécurité intéressante. Tu vas devoir trouver la bonne combinaison de nombres pour régler l'onde. C'est pas compliqué, non? Choisis un nombre et modifie la valeur. Quand tu auras trouvé la bonne combinaison, tu auras accès au contenu. De ralentir les recherches. Mais je le répète, il faut comprendre qu'on n'a vraiment pas les ressources nécessaires pour accélérer la cadence. Tu vas devoir te débrouiller. C'est ta priorité numéro un. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose, financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. À tous les deux. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'Assemblée des actionnaires, Olivier. Ouais, entendu. À bientôt. Bye. Bordel de merde! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'observatoire. Assassin Templier, c'est du délire. Mais je me demande ce qui va se passer à cette assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier, histoire de regarder son agenda? Hein? Quoi? L'idée te déplaît? Tu préférerais peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait? Sale pirate, je te tiens! Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre.
Tu ne peux pas te pointer dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Abstergo était dirigé par des Templiers ? Eh ben c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon, on a bien mis en scène l'arrivée de l'homme sur la Lune, alors rien n'est impossible. Bon, voilà. Soit tu passes par cette porte, soit tu te jettes de la terrasse. C'est à toi de voir. Oh, bravo, toi. Trouve l'ordinateur. Et ne traîne pas. On cherche des infos sur l'assemblée des actionnaires. Et sois prudent. Des programmes de sécurité suivent les flux dès qu'on manipule des données sensibles. Tu vas devoir y aller en douceur. Sinon, ils détruiront tes données et les renverront d'où elles viennent. Petite fouine. Pirate jusqu'au bout des ongles. Maintenant, tu files à l'accueil. Il y a une coursière qui t'attend. Ouais, t'as tout compris. Ça faisait plusieurs heures que je m'y jetais mon coup. Attends, attends. La réceptionniste. Bouge pas. Je vais essayer un truc. Bonjour, n'importe quoi. Maintenant, dépêche-toi de descendre à l'accueil avant que je fasse exploser ton oreillette. Et si tu crois que tu peux me balancer, sache que j'ai effacé mes traces, mais pas les tiennes. T'as plu ? Je me suis entraîné. Je crois qu'il a un peu trop allongé. T'es dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de code. Ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia ! Voilà notre vieille amie. Salut, je viens de recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Ah, je croyais que tu étais venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. On reste en contact. Ciao, Rebecca. Écris-moi. C'est ça, Hastings. Même si c'était la dernière société sur Terre, leur culture d'entreprise me donne envie. Excellent travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure, mais je te jure qu'on est les gentils. Si, si, c'est vrai. On te protège. Tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. Qui s'est pointé à mon poste. Ah. J'ai un affreux pressentiment. S'il doit arriver quelque chose, j'en serai anéanti. Je ferai attention, je le promets. Et quand je serai installé, les poches pleines d'or, je te ferai venir, je le jure. Caroline, je t'en prie, rentre. Fais attention à toi. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline ! Je n'y arriverai jamais sans toi. On essaie de donner forme à ses sentiments. Juste une lettre à ma femme.
même si elle a sûrement arrêté de les attendre. Oh, ton cœur est trop dur. Il faudrait l'attendrir. Faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, monsieur Rackham? Tu voudrais connaître mes secrets, ma jolie fleur? Oh oui. Donne-moi un petit indice, hein? Ou alors un gros, si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta main. Oh! Qui a tiré? Peut-être bien ces navires qui entrent au port. Nom de Dieu.